Salut à tous les amis, bon bah bonne année à tous pour commencer, plein de bonnes choses, tout ce que vous souhaiteriez, j'espère que ça vous arrivera. Moi pour ma part, j'espère tout simplement vivre une année normale, pas forcément une année exceptionnelle, mais juste une année normale ça pourrait être pas mal. Alors pour cette semaine, les résultats, pour le tapis, donc j'ai fait mes deux séances de 20 minutes, donc 1600 mètres en moyenne, j'ai commencé par augmenter la pente, parce que comme on l'a vu la semaine dernière, mon rythme cardiaque a drastiquement baissé, donc là j'étais plus qu'à 128 et 131 BPM de moyenne, donc j'ai augmenté la pente pour essayer de faire remonter la chose, donc je ne l'ai pas augmenté dès le début de l'exercice, donc c'est pour ça que mon cœur il reste à une moyenne basse, mais dorénavant j'essaierai de passer à une pente de 13,5 pour vraiment remonter le cœur. Concernant la musculation, alors lundi, c'était donc le lendemain de Noël, je n'ai jamais, jamais vu autant de monde à la salle de sport. Mais vraiment jamais. Pourtant, ça fait quelques temps que j'y vais, j'y suis allé tout l'été, etc. Bon, l'été, c'est pas forcément là où il y a le plus de monde, mais au mois de septembre, j'y étais. Et là, il y avait tellement de monde que j'ai pas pu filmer tous mes exercices. Parce qu'on devait tourner constamment, du coup j'avais pas le temps de poser la caméra, de la mettre en place, de la paramétrer, j'avais pas envie d'embêter tout le monde avec ça. Donc c'est pour ça qu'il y aura pas une vidéo pour chaque exercice, je crois que j'ai pu filmer que deux exercices. Alors, le curl debout comme d'habitude 6 séries de 12 à 7-5, le curl concentré poulie basse 6 séries de 12 à 5, le tirage corde poulie haute 6 séries de 12 à 7,5, et le curl à la machine 6 séries de 12 à 5, donc ça n'a pas bougé pour les bras. Alors pour les épaules, cette semaine, j'ai décidé de changer un petit peu le programme. Donc je n'ai pas fait d'élévation latérale avec le poids habituel de 1,25. J'avais envie de faire autre chose. Donc j'ai fait l'exercice que vous allez voir en vidéo, parce que je ne connais pas son nom. Donc j'ai fait 6 séries de 10. Ça n'a pas été facile. La première série m'a fait très très mal, parce que ça a sollicité des muscles que je n'avais pas forcément travaillé jusqu'ici. Donc j'ai fait une petite pause d'une minute ou deux, et ensuite j'ai pu faire mes 5 séries derrière, et c'est passé. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Ensuite, la presse à épaule, comme d'habitude, 6 séries de 12 à 10 kg. Et le tirage corde poulie haute, 6 séries de 12 à 10 kg, comme d'habitude. Pour les pectoraux. Alors, c'est pareil, ça n'a pas bougé par rapport à d'habitude. 6 séries de 12 à 10 kg pour la presse. Les pompes, j'ai fait mes 5 séries de 10. J'ai pas pu en faire plus, j'étais mort. Moi, je termine par les pompes sur cette journée. Et c'est vraiment le bout du bout, je ne peux pas faire plus. Le poussé à la poulie, 6 séries de 12 à 5 kg x 2. Et la pectorale machine, 6 séries de 12 à 10 kg. Pour ce qui est du dos, alors par contre là ça a changé. J'ai augmenté la charge par rapport à d'habitude sur un exercice. Donc c'est le tirage poulie haute à prise large. Donc j'ai augmenté de 5 kg, je suis passé de 20 à 25. Donc ça n'a vraiment pas été facile, mais j'en étais capable. Et c'est quand même passé. Donc j'ai fait mes 6 séries de 12 à 25. Ensuite, la presse haute, 6 séries de 12 à 10 kg x 2. Donc ça, on a augmenté il n'y a pas très longtemps, il y a seulement 3 semaines. Donc pour le moment, on va rester là-dessus. Peut-être que j'essaierai une série à 20 kg la semaine prochaine. Enfin, à 25, je veux dire. Mais on verra. Ensuite, le tirage poulie horizontal, 6 séries de 12 à 10 kg x 2. Je n'ai pas fait de tirage poulie horizontal fixe cette semaine. J'ai été un petit peu pris par le temps jeudi. Donc j'ai pas eu le temps. Et les tractions, mes 3 séries de 5, comme d'habitude.
Et pour finir vendredi avec les jambes, eh bien, comme d'habitude, ça n'a pas bougé. 6 séries de 15 à 25 kg. La presse, mes 6 séries de 12 à 50. J'ai eu bien bien mal au dos quand même vendredi après-midi. Donc je pense que, bon, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai rechopé la crève. Du coup, je pense que j'étais un petit peu fatigué. Et ça a joué là-dessus. Et du coup, j'avais un peu moins de. J'avais un peu plus de mal à récupérer, donc j'avais vraiment pas mal, mal au dos. Mais bon, c'est pas grave, là on est dimanche, c'est passé. Et leg à extension abduction, 6 séries de 15 à 25 kg comme d'habitude. Alors pour le poids cette semaine que vous allez voir tout de suite ici comme d'habitude, voilà, 37,8. Donc j'ai repris 100 grammes par rapport à la semaine d'avant. Donc c'est pas mal, je m'attendais à avoir pris plus que ça. Parce que sans vous mentir, il m'arrive des fois de me peser dans la semaine. Et cette semaine j'ai atteint les 38. J'étais à 38,1, donc j'étais vraiment content. Mais là, je suis redescendu, donc bah, on va pas dire que l'objectif 38 est atteint, puisque je suis redescendu en dessous. Mais ça va venir, ça veut dire que mon corps est continué à assimiler, 100 grammes par 100 grammes, mais on va y arriver, on va y arriver. Au 38, on n'en est plus très loin, plus que 200 grammes, donc c'est vraiment bien là-dessus, ça montre que le corps il se modifie vraiment. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous êtes là depuis le début, mais quand j'ai commencé il y a 8 semaines, j'étais à 35,5 kg. Donc en 2 mois, j'ai quasiment réussi à prendre 2,5 kg. Et vu mon corps, ce n'est clairement pas du gras. Donc ce serait potentiellement 2,5 kg de muscle. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à vous tous pour votre soutien, comme d'habitude, autant sur Instagram, sur Facebook. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai ouvert un Twitter. Pour l'instant, je ne suis pas très actif dessus, parce que Twitter, j'ai jamais eu l'habitude, mais si vous voulez me suivre dessus, tous les liens seront disponibles dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente année à vous tous. Tout ce qui peut y avoir de bien, j'espère que ça vous arrivera, que vous arriverez à réaliser vos objectifs, que vous resterez motivé, ça c'est très important, parce que moi je vous jure que sinon je viens vous botter le cul en personne. Voilà, de la santé. De la famille, des amours, tout ce que vous voulez, je vous le souhaite tous. Ça ne peut qu'être une bonne année, sachant que l'année 2016 a pour nous tous été vraiment chaotique, pas forcément que pour moi. Il s'est vraiment passé des choses terribles en 2016. Donc j'espère que le 2017 sera que meilleur. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau Week Result. Je vais essayer de changer un petit peu le format, vous me direz ce que vous en pensez. Et là, tout de suite après, je vais vous tourner la fameuse vidéo où je vous raconte tout. Donc, elle sera normalement disponible la semaine prochaine. Voilà. Bah écoutez, en attendant, restez motivés. À bientôt.